L'épisode numéro 5 de The Walking Dead, saison 8, et on est à Fantasyland. Alors ça commence avant que Rick avait attaqué le sanctuaire, c'était juste la scène, juste avant, c'était une réunion avec Negan. Déjà, Simon qui apporte le petit-déj à Grégory. On sait très bien qu'il oublie beaucoup à Negan, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous parler d'un truc après, je pense que c'est une hypothèse, mais ça peut se passer comme ça. Donc, pendant la réunion, Grégory fait son discours à Negan, je suis avec vous, la colline est à moi, je suis au service des sauveurs. Non, faux, Grégory veut se ranger du côté le plus puissant, c'est tout. Et c'est un trouillard, bon, que j'aime bien, j'ai déjà dit évidemment que je l'ai dit dans la vidéo précédente. C'est quelqu'un, un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il le joue à la perfection son rôle. C'est un lâche, un trouillard, mais j'aime bien ces petites manips. Alors bon, voilà, donc Negan lui fait comprendre bien évidemment que t'es, bon, une petite. Voilà. Alors Simon explique à Negan qui veut tuer tout le monde, c'est l'hypothèse, enfin non, Negan n'est pas d'accord, non. Parce que sinon, autrement, pourquoi il s'appellerait les sauveurs? Bah ça n'a pas de logique pour moi. Donc Negan il veut éliminer les chefs, en compte, en gros, Rick, Maggie et Ezekiel. Oh non, 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 pas Maggie, pitié. Enfin bref, bon. Il veut les éliminer. Et il laisse les autres vivants. Maintenant je suppose que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé avec Grégory et Negan dans le camping-car. Vous allez le savoir. Negan lui a foncé dessus, il l'a mis à terre, il a pris les munitions, enfin les armes qu'ils avaient besoin. Et après, quelques minutes après, bon, ils sont en train de transpirer et tout, et il manque d'air je pense dedans, avec les rotors qui sont entourés, qui entourent le camping-car. Donc je pense que... Eh merde. Désolé. Ah, maintenant il pleut, voilà. Donc j'y peux rien et c'est comme ça. Bon, bref. Donc, alors, oh non, c'est pleut. Donc pendant ce temps-là, il y a une réunion avec Simon et tout, il essaye de savoir qui le pur, enfin, le traître parmi les sauveurs, parce que celui, bah oui, il y avait une seule personne qui avait coupé le chemin et tout, vers la saison 7 passée, vers la fin, mis des arbres par terre pour ralentir les sauveurs quand ils ont été à l'Alexandria, pour même dire le nom des bases où ça se trouvait, Dwight, la taupe, bah oui, ils disent tous ça, la taupe. Donc ouais, c'est effectivement lui, mais je pense que Eugène et tout, ça va avoir un rapport aussi. Eugène aussi va essayer de se ranger du côté de Dwight. Et après tout, pourquoi pas Simon? Bah oui, Simon, je pense pas qu'il doit supporter de toujours obéir à Negan. D'un côté, il a ce sentiment. Alors si ça se trouve, bon, je me suis dit, c'est qu'une hypothèse, que Simon est déjà du côté de Eugène et tout. Ou alors, il veut l'être. Il s'est dit, ah, je vais peut-être pas le dénoncer. Après tout, ça pourrait être pas mal d'être contre Negan. Puisque après tout, ils ont dit que dans cette saison, peut-être tout le monde va se rebeller contre Negan. Donc moi je dis que Simon va peut-être faire ça. Après on connaît le caractère de Simon, si ça se trouve il veut être du côté personne, il veut faire sa loi et tout. Voilà, il veut être d'aucun côté ou alors choisir les mauvaises personnes comme lui. Voilà. Donc pendant ce temps-là, Gabriel lui fait comprendre les erreurs qu'il a fait dans le passé. C'est-à-dire dans sa petite église. Je crois que c'était une église, je sais pas comment, je me rappelle plus. Donc il a dit les erreurs, comme quoi il avait laissé des gens vivants dehors, ils se sont fait manger par les morts-vivants. Mais le plus important, c'est que Negan s'est confessé. Et il a avoué qu'est-ce qu'il a vécu avec sa femme, le train. Salut. Donc Negan a avoué qu'il avait une femme, qu'il l'a trompée, qu'il a fait cocu par derrière. Et qu'il n'a pas pu la sauver, elle était malade. Et c'est en quoi il a été faible, il a expliqué, bah, c'est qu'il n'a pas pu tuer sa femme vraiment. Et il s'est mis à chialer à un moment donné. Tiens, regardez, voilà, vous voyez, je vous mens pas.
C'est dingue, hein. Mais franchement, l'acteur, il le joue parfaitement. Mais c'est ça qu'on aime savoir, c'est pas un méchant simple qu'on a envie de voir, c'est vraiment un méchant recherché, quoi. Un méchant qui a une histoire aussi, qui a aussi de l'émotion parfois. Mais bon, aussi un vrai salopard, j'avoue. Parce que n'oubliez pas, je suis Negan. Nous sommes Negan. On est Negan, on est, nous sommes, oui, bon, d'accord. Précise. Donc Negan, il connaissait la méthode des tripes. Eh ben oui, des tripes, oui. Il en a des tripes, hein. Lui il en a. Alors Gabriel connaissait déjà la technique des tripes. Ils ont pris il a pris un morvion qui lui avait explosé la gueule à coup de batte de baseball, Negan. D'ailleurs ça c'est bien, on voit des petites images comme ça. Donc ils ont mis toutes les tripes, c'était dégueulasse. Oh la veste en cuir de Negan, bon Dieu. Elle a été complètement salie. Oh, madre de Dios. Donc pour terminer cet épisode, ça s'est terminé avec un combat plutôt sympathique. Donc ils avaient toutes leurs tripes dessus, ils ont gueulé comme des malades, ils ont ouvert la porte. Ils sont sortis, bon, comme un con, Gabriel s'est cassé la gueule, il est tombé par terre comme une crêpe, je sais pas. Il s'est relevé, heureusement que Negan était là, il lui a foutu un coup de batte de baseball dans la gueule d'un zombie. Après, il a défoncé des crânes, et ça, je suis content, il a enfin défoncé des crânes, parce qu'avant, il en défonçait, mais on voyait pas trop d'une façon, bah, là, il était dans une armée, là, il défonçait des crânes, à coup de bras, comme ça, et il y allait. Puis après, bon, bah, le mystère, c'est que, bon, pendant la réunion et tout, enfin, les ouvriers sont remontés, parce qu'il manquait de chaleur et tout. Beaucoup de chaleur. Une de l'équipe de Negan, enfin, des points forts, a tiré sur un sauveur. Et, il est mort. Negan est arrivé à ce même moment-là avec ses petits sifflements. Le mec tranquille, solo, au même moment. Donc il a fait un petit discours, au cas où vous vous rappelez pas de qui je suis, j'ai une veste en cuir, j'ai une batte de baseball, voilà. Et j'ai les coups en acier, je sais pas quoi. Voilà, il utilise ces mots des fois. Alors après, il a dit, bah j'ai survécu, je vais prendre une douche et tout, voilà. Et après de ça, on aura du pain sur la planche, il faut que je parle à mon bras droit pour savoir tout ce qui s'est passé, trucs comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir de la tension entre ces deux-là, Negan et Simon. Mais qui est le vrai méchant de la série? Si ça se trouve, on fait toujours une fixation sur Negan. Oui, c'est le chef des méchants, donc oui. Mais si ça se trouve, Simon aussi, il est vraiment d'un côté. Et il va peut-être au bout d'un moment péter un plomb et changer. Qui sait? Il pourrait peut-être se battre même, ces deux-là. Bon, déjà, on va rester là, parce que déjà, on va un peu loin, là. Mais bon, ça se pourrait. Hein. Et donc, ça s'est terminé... Ah oui, Eugène, donc, je crois pendant la réunion, parce qu'ils ont fait une réunion après pour savoir d'où venaient des armes et tout, Eugène a capté que c'était Dwight, la taupe. Mais il ne l'a pas dit. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il pourrait peut-être se ranger. Donc c'est l'épisode final de cette vidéo, évidemment, je précise, c'est pas le dernier épisode. L'épisode numéro 6 de The Walking Dead, saison 8. À Discoveryland. Et je vais profiter pour faire un petit tour quand même dans l'histoire de rien. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring. Ça commence avec Rick, alors cet idiot. Ah oui, je vous avais pas dit. Mais déjà, bon, oui, il avait repéré un hélicoptère. Ça, c'est, je pense que c'est son illusion. Ou alors, ce serait vraiment une chance s'il y avait vraiment un hélico. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. À part ça, si vous voyez ce que là. Donc il a été voir Jadis comme un con. Mais sans doute, ça aurait pu avoir une lueur d'espoir, mais Jadis, non. Donc, en gros, il proposait un marché, le même marché qu'avant, de s'unir pour tuer Negan. Et vu qu'il les a déjà trahis une fois, je vois pourquoi il est retourné la voir, surtout celle. J'avoue quand même, Jadis. Sexy, c'est pas souvent que ça arrive. Bon, pas aussi sexy que Maggie, évidemment. Voilà, c'est quand même bizarre ces gens-là. Oh, bizarre. Donc, bah, ils l'ont enfermé dans un conteneur.
Ils l'ont fermé, je pense que c'est prêt pour être livré pour Negan, je sais pas en fait quand sort. Et donc pendant l'épisode on a vu les sauveurs qui étaient retenus prisonniers à la colline. Ouais, c'est franchement c'est risqué, hein. C'est une mauvaise idée que Jésus il a eu, c'est une mauvaise idée. Donc Grégory, bah lui c'est pas étonnant, il a été aussi foutu dans une espèce de petite prison dans la colline qu'ils ont fabriqué. Les sauveurs ont été Grégory les Argents, Maguille et aussi le petit con, là, je me rappelle plus de son nom. Ah lui c'est frais, enfin le petit con, voilà. Voilà, quand vous voyez cette tête, vous voyez, voilà. Il s'est fait prendre un coup de pistolet, enfin un coup comme ça, voilà, comme ça. Dans la gueule, bah lui c'est moi, bien fait pour sa tronche. Bien joué Maggie, t'es la plus forte. Au royaume. Ah oui, Carole, bah, en gros, elle veut parler à Ezekiel parce que, alors, lui, depuis qu'il a perdu son ticket et tout, bon, je le comprends, il est triste, mais. Enfin, il fait la gueule, voilà, et il veut plus se battre, on dirait. À un moment donné, ça m'a fait rire, cette scène où Carole veut exploser la vitre d'Ezekiel. J'ai rien dit. C'est ouvert. Hein. T'aurais pu me dire plutôt. J'adore. Donc, elle lui a parlé et tout, elle reste sur sa décision. Mais je pense que si. De Karn, il a enfin revu le mystère du personnage de la version suivante, je vous en ai parlé, et franchement il est très sympathique et tout. Il pense que la façon de quand tu les oublies c'est de libérer leur âme, je sais pas quoi, enfin le truc que sa mère lui a appris, j'aime bien franchement ce personnage, il a l'air assez sympa. Il a aidé à un moment donné quand ils étaient attaqués par des zombies, et Karn et tout il était en difficulté, Karn, par contre il peut aider beaucoup les gens, j'ai l'impression, mais il faut quand même qu'il se méfie. Les Jedi si vous voulez devenir fort, ou alors des Sith très très méchants. Mais chacun est libre de son destin. Il y a des moments dans la vie où vous vous ennuyez. J'avoue, moi aussi ça m'est déjà arrivé. La vie est loin d'être facile. Mais c'est grâce à tout ça. Que nous arrivons à nous créer notre image différente. Bien plus différente. Il y a des moments dans la vie où vous croyez que vous n'allez rien faire, et en cet instant, tout peut changer. Absolument tout. Absolument tout. Bon, je remercie évidemment tous mes abonnés ou mes amis qui m'ont soutenu, Antoine, Benoît, Jean-Louis, tous les autres. Et puis surtout, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un commentaire. Et surtout, profitez de la vie, faites vos passions, faites tout pour réussir, faites tout. Voilà, c'est pas facile, mais si on y met du sien, on y arrive.